Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale sur Need for Speed Payback avec l'Origin Access. Alors on peut jouer un peu avant, comme vous pouvez le voir, on est que le 3 novembre et il sort que le 10 novembre. Alors Need for Speed Payback a été développé par Ghost Games, édité par Electronic Arts et les joueurs concernés et tous les joueurs. Donc voilà. Allez, on c'est parti, on y attaque, go. J'accepte. On va voir ce que ça va donner. On va mettre moyen. Donc là, c'est la première fois que je lance le jeu. J'ai pu voir quelques vidéos de certains youtubeurs. Ça avait l'air déjà pas trop mal. Et là, je vois qu'il prend beaucoup de processeurs. J'espère que ça buggera pas pour la capture. Mon processeur est à 100%. Dai, tu sais que t'es en train de perdre là. J'ai déjà gagné, mais ça tu le sais pas encore. Premier arrivé à l'aérodrome. Enfin, la route ou pas, c'est pas précisé. Alors voyons voir les options. Alors en vidéo, pour l'instant c'est en automatique. Personnalisé. Pour l'instant moi ça me va. Oui. Je t'attendrai au garage. Et moi j'y croyais que c'était une course amicale. Pour nous c'est amical. Le dernier l'appelait bagnole de rame. Il y a d'enjeux là, c'est sûr. Wow, je crois que j'ai jamais vu Max s'éclater autant depuis les réseaux. C'était notre plus gros coup. Tu parles que je m'éclate. On va peut-être se secouer un peu. Ah non. Mince. Je n'y crois pas. Bon, après, ça a l'air scripté. Ça a l'air d'être pour tester un peu tous les modes. On dirait un jeu taxi, machin. Oh ma vieille belle air, tu vas t'envoler, chérie. Yeah. Le bruit qu'elle fait. On est paré au décollage. Désolé d'être aussi génial. Ok, ah. Je vais arrêter d'être gentil avec toi. Alors je suis juste en train de croiser les doigts pour pas que la capture bug en fait, les amis. Ah, il a vraiment l'air fun ce jeu. Franchement, tu serais même devant si tu frimais pas autant. Ah, petit lag, c'est pas grave. Autrement, je tourne à peu près à 105 images secondes. T'as réussi l'impossible, Jet. Faire match, je proteste en hochant la tête. Ouais, c'est vraiment de l'arcade, c'est excellent. Tu te vois toujours gagner, Ty? Tu gagnes? Je te vois pas devant. T'es à l'arrivée que ça joue. Ah. Donc je joue sur PC, je ne sais pas si je vous l'avais dit. C'était pas trop mal. T'auras moins de chance la prochaine fois. C'est pas de la chance, mec, c'est un don. C'est bon, Morgan. Tu vas conduire la bête.
Toi et ton crew, je vous conseille d'assurer. Alors, j'avais pas raison. Lina Navarro est le meilleur fixeur de tout Silver Rock. Ouais. C'est de la musique à mes oreilles. Bon boulot, Rav. Tu l'as retapé tout seul ? Avec du temps et de l'application, un artiste peut changer n'importe quelle épave en voiture de course. Mm-hmm. Ok, les gars. Vous savez ce qu'il reste à faire ? La teuf ? Mais non, s'entraîner. Vas-y, roule. Et nous revoilà, attendez, je vais juste mettre les sous-titres pour vous et oui, mettre les sous-titres et mettre la synchronisation verticale parce que j'aime pas que ce soit décalé l'image en fait. Voilà. Voilà. Je trouve mieux là, comme ça. C'est un bruit de rafraîchissement à 60 images secondes, ça me suffit très bien. J'ai trouvé le bouton pour klaxon. Mince. On peut pas. Ah non. Prenez-moi voilà sur la route. D'accord, j'ai trouvé le bouton du frein à main, c'est ce qui me manquait. Ah, ça me change de Forza, les amis. Ah, carrément. Toi, Lina ? Moi, je me barre de soir. Bon, allez où ? Loin, hein ? Super, c'est trop fort. T'as pas grandi dans le barrio. Snyder et moi, oui. Voiture de merde. Oui, justement. Ah, le jeu est super fluide, autrement. Allez, Snyder. Ah, on rattrape là devant. Il y a des petits lagouilles des fois, je me demande pourquoi, c'est un peu chiant. Je pense parce que le jeu n'est pas fini, il n'a pas encore le dernier patch. Pas trop bon. Donc si on va sauter. Ah, franchement, elle a vraiment l'air sympa. Donc, je compte vous faire toute l'Origin Access en vidéo. Et après, je verrai si j'achète le jeu ou pas. Ça va, là, t'as une putain de caisse, on dirait une corvette. Allez, dégagez, là, vous râlez mieux en métro. Si on réussit, on sera des légions. Fortune Valley. Un paradis pour flambeurs en plein désert. Ici, tout s'achète. Même la chance. Que les riches s'amusent à la roulette ou aux cartes, tant mieux pour eux. Mais nous qui sommes nés à l'ombre des casinos, les risques, on préfère les prendre à 200 à l'heure. Dak Kodak. On est prêt ?
Jess? Je suis en position tout près du circuit. Mac? Le Mac Attack est prêt à décoller. T'as appelé ton camion le Mac Attack? Ouais, et il en est très fier. Bravo. Je suis prêt. Tu m'amènes la voiture et je m'occupe du reste. C'est l'heure de devenir riche, Tyler. J'ai notre cible sous les yeux. Le flambeur est là. Salut! Comment ça va? C'est une journée parfaite pour faire la course. T'es coté à 4 contre 1 pour la première place, alors je sais que le prototype ne me décevra pas. La question, c'est... est-ce que tu seras à la hauteur? La puissance cumulée des moteurs électriques et du V8 biturbo, ça donne... plus de 1500 chevaux. Ouais, je vais gérer. Hé, hey, pas mal! T'as bien fait tes devoirs. Et juste un truc, j'accepte rien en dessous de la première place, c'est clair? Mais t'as l'air digne de confiance. Me déçois pas, gamin, ok? Il se doute de quelque chose? Il sait rien du tout. On dirait un peu un scénario à la Fast and Furious. Ou à la Need for Speed, le film. La Regera. Faut être fan, moi je ne sais pas trop. Ah, j'ai pris une photo. Engin. La super restante de rave lui arrive pas à la cheville. Tyler, tu commences, frère. Moi, j'ai là, franchement, je déteste pas mal. Ah, mais il y a qu'une vitesse en fait sur ce machin. Ty, prépare-toi. Tu dois arriver à pleine vitesse au point de rendez-vous. On n'a pas droit à l'erreur. 1500 chevaux, ça va que 270. Là, j'arrive au point de rendez-vous. J'espère que t'es prêt. Presque. Mac, lâche la comme il faut et fonce. Vas-y. On y est, les gars. Surtout, foirez pas. Mac, j'arrive tout de suite. Attention, tremplin en approche. Houston, la fusée est dans les airs. Excellent. Dans la bagnole à 2 millions, c'est fait. Est-ce que je peux redire à quel point je te déteste? Tu conduis notre gagne-pain là, Morgan. Livre-la, Arabe. Ah, vous êtes éliminé, on est à la recherche d'une petite secrétaire qui vient d'être volée. Ce véhicule vaut une fortune. Oh, il est des petits lags quand même, des fois. À toutes ah, les unités les sur la poursuite, en raison du prix de la Regera. Jess, j'ai les flics au cul. Continue, j'arrive tout de suite. Mais à quoi tu joues là, mon ami? À ton avis, arrête. Je sais pas ce que t'as en tête, mais arrête. Je te demande juste de livrer la voiture tout de suite. Il est dingue. Ah, oh, il est dingue. On le voit. On l'a détruit, merde. À toutes les unités, Adama 13 s'est remis à la poursuite du suspect. Et voilà. Jess, t'es où? Waouh. T'inquiète, je suis là. Ah, trop bien, on change de bagnole. Oh, excellent quoi. Ah, je préfère limite celle-là. Aïe. Merci. Je me suis bloqué, je crois pas. Ah, je suis bloqué. Ah, je vais me faire arrêter. Ouah, je me suis bloqué tout seul. Quel con. Fallait que ça m'arrive en pleine vidéo en plus. Et à moi. Allez, au suivant maintenant. T'as un souci? Avec toi? Jamais. Reçu d'après, restez sur la 5. Et j'ai troncé dedans, toi tu vois. Dans le coffre. C'est bon, ils ont mordu à l'hameçon. Je vais les éloigner de toi. On boucle tout le secteur. On a intérêt à vite s'en débarrasser. Reçu Adam 13, déployez les tactiques habituelles contre la M5. Morgan, pourquoi t'as pas encore livré la voiture à Rav? J'ai encore des flics sur le dos. Allez.
Hop. Un takedown. Tyler, Jess, rejoignez-moi. Là, et... on se voit là-bas. Où vous êtes? J'y suis presque. Moi aussi. Mac, est-ce que ça va? Allez, maintenant, emparez-vous tous les deux. Ouais! On gère bien là! Allez, on reprend ça. Bonne livraison, vieux. Moi, je m'occupe des flics, Tyler. Vas-y, bien piloté, ça, Morgan. J'ai bien fait de miser sur ton coup. Tyler Morgan, 23 ans, fils unique de Sylvia Morgan et de père inconnu. Il a fait 6 mois de prison pour mineur après avoir été arrêté pour conduite dangereuse. C'est ce qu'il faut. Je suis le meilleur et je conduis une voiture parmi les plus rapides du monde. Vous aurez du mal à m'attraper. Je te conseille de pas jouer à ça avec moi, Gabriel. Bah elle a pas l'air si rapide que ça pour moi, mais bon. C'est quoi ce bordel? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous rejoins. Brave. Les pilotes sont ici. Je les ai vus prendre cette voiture. Merci, monsieur l'agent. Qu'est-ce que t'as fait? Raph, t'as pas parlé de ce qu'elle a sous le capot? Mes clients payent des fortunes pour ça. C'est toi qui vas le payer, Navarro. Les flics sont en route. Le clan te passe le bonjour. Quelle garce. Qu'est-ce qui s'est passé? Navarro. Mac, emmène-le. Je vais distraire les flics. Mais... grouille! Ah, ma voiture préférée. Petite GTR. Une R34. Je préfère la R35, mais bon. Ça leur dirait pas mal. Tu fais quoi, là? J'essaie d'éloigner les flics. Allez, c'est ma mission. J'ai fait venir Navarro. C'est ma faute. Maintenant, mets Mac et Rav à l'abri. J'ai une radio de la police et le tracker GPS de Rav. Laisse-moi au moins t'aider. Prends la direction du déversoir. Mais vite, les flics vont boucler tout le secteur. Ah, je préfère ça la voiture que l'autre à 1500 chevaux. Ça rend beaucoup mieux. C'est ça, bande de connards. Venez, allez, venez. Flics droit devant, prenez à droite. Ça rend largement mieux. Ah, franchement, il est vraiment bien ce jeu. Il est vraiment fun. Il y a plein de barrages. Trois à droite, puis à gauche, prochain virage. D'accord. Position du suspect demandé. Reçu. Continue de rouler en direction du déversoir. Elle est où que? Peu importe. Ça va bien? Je sais pas trop, Ty. Il s'en sortira. Bien sûr que oui, il a intérêt. J'y suis presque. En direction de Silver Oak West. Ah, trop bien, comme je roulais sur le machin. Voilà, je vais sauter quand même. Je vais pas faire du slide comme moi. Les flics ont décroché. Ton plan a marché, Jess. Tu te débrouilles, Tyler. Mais c'est pas le moment de s'aider. Les flics ont mobilisé de gros renforts. Ils sont en train de verrouiller toute la ville. Ben. Jess, il y a des voitures banalisées qui me suivent. Quoi? Mais d'où elles sortent, celles-là? Ils m'en servent. Ah. C'est scripté. Putain, c'était Camaro quoi. Ah merde. Où est la voiture? Lina Navarro. Elle nous a volé la voiture pour la refiler au clan. Vraiment? Alors tu me sers plus à rien. Mon séjour en tôle. Cela dit. Tu veux te venger d'elle? Et moi aussi. Ouais, on va s'arranger. T'es peut-être un as, mais c'est moi qui tiens les cartes. Qu'est-ce que tu racontes? Tant, les flics sont pas loin, alors soit tu vas en taule, soit tu bosses pour moi. Tu mangeras, tu dormiras, tu conduiras, quand je te le dirai. Et le moment venu, t'auras ce que tu veux. Est-ce que j'ai le choix?
On a toujours le choix. Allez, monte. Ah, franchement, je suis en kiff là. Quand tu te retrouves face à une belle bagnole, tu penses à quoi? À combien elle coûte? À la vitesse qu'elle peut atteindre? Moi, voilà ce que je pense. Je vois du potentiel. Je vois un nouveau défi à relever. Je me vois prendre tous les risques pendant une fraction de seconde. Je me vois, moi, en train de gagner. Morgan! Le patron attend sa voiture! Ouais. J'arrive tout de suite. On va s'amuser un peu. Le boss a rendez-vous avec une grosse légume du clan. Ils sont en train de conquérir la ville. Qui intéresse que la voiture du boss soit là après? Je rigole! Je crevais d'envie de voir ce qu'il y a, combien je me suis fait gâcher. Des B11 de Wear, c'est pas tous les jours qu'on fait un tour avec. Ça lui apprendra à engager des pilotes au boss. Et moi je pilote plus, tu te rappelles? Le marché, ça n'est plus jamais de course ou c'est direct la tôle. Non, c'est dommage. De nos jours, le clan file un max de blé à des pigeons pour toutes les courses. Il n'y a même plus besoin d'essayer de gagner. À quoi ça sert si c'est eux qui décident qui gagne et qui perd? Le fric, vieux. Il paie super bien. Mec, tu fais quoi? Tu veux te faire virer? Peut-être que oui. Obtenez la meilleure vitesse moyenne entre les checkpoints. Il existe toutes sortes d'activités aux quatre coins de Fortune Valley. Bon, on va faire ça. Voyons à combien elle. Non, mais le dose, il va pas trop loin en fait. Ça recharge pas assez. C'est comme The Crew ça. Putain, ça fait du bien! Quand je pilote, c'est pour gagner. T'as pas l'air de gagner des masses en ce moment. Tu sais quoi? Oublie ça. Hey, Tyler! Le boss se fait pas rien foutre, vieux. Oups. Mais c'est beaucoup, carrément bourré de route. Allez, mets la gomme. Bon, ça semble largement avoir assez de temps. Passez devant un regard à votre vitesse maximale pour établir un record et gagner des étoiles. Accumulez des étoiles pour débloquer de meilleures récompenses. C'est pas grave. Ah, un succès déverrouillé. Bienvenue à Fortune Valley. Tyler, où est ma voiture? Pas de stress, Ware. Celle-ci, je la vole pas. C'est comme ça qu'on traite les amis, Tyler? Hein? Bah, ça m'étonne pas que ça s'est pas passé comme ça. À mon avis, ils sont pendus au téléphone à attendre ton appel. Ton coup parfait a complètement foiré. Et ton crew adoré est devenu le gang le plus recherché de Fortune Valley. Pour s'en sortir, Miller a dû jouer les chauffeurs pour des petites frappes, et il paraîtrait même que McAllister roule pour le clan maintenant. Quant à ton mécano, ce vieux rat. Et t'imagines qu'ils vont répondre quand tu appelles? Bien sûr. Tyler, écoute-moi bien. Maintenant, ton seul ami, c'est moi. Oui, Navarro te fera cher, et oui, je retrouverai ma voiture. Mais il faut que tu sois patient. Compris? Je suis sûr que c'est sur le point de revenir dans l'ordre. Je prends ça pour un oui. Maintenant, reviens ici avant que je m'énerve comme jamais. Je suis là. Je fais chauffer les pneus. Qu'est-ce qu'il fout là? Ton temps est compté, ouais. Soit tu vends le casino, soit on te le prendra. Toujours aussi sympa. T'as fait une bonne balade, Tyler?
Arrête, gamin, c'est pas le moment. C'est moi qui décide quand on abat les cartes. Ça fait 6 mois. Sors de là. Si je trouve une seule trace de doigt sur mes rétros, je te fous au volant d'un camion poubelle. Ouais, elles sont belles ces voitures là. Ah, la Lambo derrière. On rentre à la maison. Ah, même celle-là, elle est pas mal, j'aime bien moi. Youhou, ça change. Je pars la maison et je me débarrasse de ce costard à la con. Il y a plus de noces dans celle-là que dans celle d'avant. Le boss a retenu une partie de ta paix. Il y a une érature sur la S-Life que t'as conduite hier. Hein? T'as bossé la Jag? Eh, hey, c'est pas moi qui décide. Donc oui, le jeu il a encore quelques défauts, mais il est pas... Mes chers pilotes, c'est votre gardienne ça qui vous parle, jeu. Et vous écoutez la voix de la rue. On est en direct depuis Fortune Valley la Rebelle. Les rues vous appellent. Elles n'en peuvent plus de n'être qu'un trait d'union entre un taf et une maison. Mais vous, vous êtes des pilotes. Vous ne connaissez pas la routine. Qui parmi vous saura dompter cette ville? Qui sortira vainqueur du rush? Êtes-vous à la hauteur? C'est la saison de la vitesse. L'Outlaws Rush arrive à Fortune Valley. Seuls les meilleurs peuvent y participer. Mais seul le meilleur des meilleurs pourra le gagner. Si c'était toi. L'Outlaws Rush. C'est ça. Donc je disais que le jeu. Taille. Bon, je peux pas à parler. À propos de ces courses de rue, file-moi le numéro. T'aimerais piloter pour le clan, hein? Ouais. Dites-moi où et quand, et j'y serai. Waouh, tu crois que le clan recrute n'importe qui? Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Si tu nous montres que t'es au niveau, alors seulement t'auras ta chance. Alors, la carte. Voyons voir cette... comment on fait pour zoomer? Voilà. Comme ça, comme ça. Elle est grande, la carte. Elle est vraiment grande, grande. Ouais, donc nous on va s'arrêter là pour cette fois. Donc je disais oui, le jeu n'est pas top optimisé tout simplement car il y a enfin il n'est pas sorti tout simplement. Donc il va y avoir sûrement un patch Day One pour bien le on va essayer en ultra voir si c'est pareil ou pas. Ça va, c'est fluide encore. Donc il doit y avoir un patch Day One pour éviter que, enfin pour mieux qu'il soit optimisé pour le PC, console, etc. Car je ne sais pas si il est dispo actuellement sur console. C'est chouette. Il est chouette hein, le jeu. Ouais, il a un bon moteur graphique. Bon, ce sera en ultra pour la prochaine course, voir si ça sera bien fluide ou pas. Moi les amis, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Payback. Ciao ciao.